Amis sportifs et fidèles internautes, bonjour. Ancien joueur des Dragons de Lomé, grand défenseur des Écureuils de 1996 à 2003, il était très connu pour ses tacles très précis et avait une technicité qui faisait l'admiration. Amadou Moundachiro est notre invité du jour. Capi, bonjour et bienvenue. Bonjour. Au-delà de ce que j'ai dit là brièvement, que peut-on encore retenir de votre carrière de joueur? Ben, c'est un bon ancien joueur de l'Entente, Adidja. Et aussi ancien joueur de Dragon, comme vous avez pas. Parce que j'ai commencé par l'équipe des militaires. Voilà. Au-delà de cette carrière au plan national, vous avez également fait à l'international. Dites-nous rapidement quels sont les clubs que vous avez parcourus. Au départ, je suis parti en France. J'ai fait la DH en division d'honneur. J'ai fait une saison en France. Et après, je suis parti en Allemagne. Donc, j'ai fait Auer en 2-2 et Cottbus en 2-2, Karlsruhe à Novazex-Nancy et Sampaoli à Hambourg, quoi. En 2015, je finissais ma carrière en bout à cause de ma blessure. Voilà. On retient que vous avez été grand artisan de la qualification du Bénin à la CAN Tunisie 2004, mais à cause d'une blessure, vous n'avez pas finalement participé à cette compétition. J'aimerais demander si c'est votre plus grand regret dans votre carrière de joueur. Bon, je peux dire que c'est un regret, mais toujours, et ce que ça a été déjà signalé, bon, moi je ne le savais pas parce que. Et tout ce que nous faisons dans cette vie, c'est Dieu qui décide, c'est Dieu qui a le dernier mot. Bon, c'était peut-être dit que je ne vais jamais assister à une CAN. Bon, c'est ce qui s'est passé. Mais la qualification, j'en ai fait tout en tant que capitaine jusqu'à la qualification. Bon, dommage que je ne faisais pas partie de l'effectif qui allait accompagner les Écureuils du Bénin pour la première fois dans notre histoire. Et vous le regrettez amèrement. Je le regrette, ça, tout l'homme quand tu travailles ou bien quand tu fais quelque chose, surtout au niveau du football. On a envie d'aller à la CAN, c'est pourquoi je me suis battu dès les débuts. Et c'est ce que j'ai eu à dire au Feu Kérékou dans le temps quand il était au pouvoir, quand j'ai fait mes démarches pour aller lui rendre visite. C'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, il faut qu'on se qualifie pour la première fois parce qu'il était dans son dernier mandat. J'ai dit, il faut qu'on fasse tout possible pour se qualifier. Voilà donc, c'était une fierté, moi, en tant que capitaine, de se qualifier avec l'équipe nationale du Bénin. Ancien joueur que vous êtes aujourd'hui, vous êtes entraîneur. Généralement, on ne sait pas tout ce qui se passe derrière avant de devenir entraîneur. Alors, j'aimerais demander quelles sont les formations, les diplômes que vous avez aujourd'hui qui vous confèrent le droit d'être entraîneur. Oui, je suis entraîneur d'une équipe, je suis un entraîneur national, d'abord et international aussi parce que j'ai entraîné en Allemagne, j'ai la licence B UEFA que j'ai fait à Stuttgart, et j'ai aussi un agent de joueur, j'ai ma licence FIFA, agent de joueur FIFA que j'ai fait au Bénin. Donc je place des joueurs aussi au niveau international en tant qu'agent de FIFA et du Bénin. Donc mais je fonctionne, j'ai des joueurs que j'ai amenés en Afrique du Sud, comme Koutché Kabirou, comme Ghislain, que j'avais placé en Afrique du Sud. Donc, à part ça, après ma licence B, j'ai entraîné des équipes comme Benhausen, ce n'est pas professionnel, c'est amateur. Et j'ai pris la Coupe de la région de Baden-Württemberg avec Benhausen. Après, j'ai pris une autre équipe qui est Rouen. Et ce Rouen, aussi, j'ai fait monter, j'ai fini le championnat premier, j'ai fait monter l'équipe. Et j'ai été nommé dans l'année 2017 aussi comme le meilleur entraîneur de la région. Voilà. Donc si je comprends bien, vous avez eu beaucoup d'expérience avant d'entraîner aujourd'hui les Requins de l'Atlantique. On va parler des Requins de l'Atlantique, mais avant, on va proposer à nos amis le résumé de votre dernier match. C'était un match amical contre Aspakry, c'était le samedi dernier au stade René Pleven d'Akpapa. Okay,
Alors, coach, dites-nous un mot sur ce match. Bon, c'était un match amical qu'on a effectué parce que nous étions en détection pour le Mercato. Donc, j'ai demandé à mon collègue Richard pour faire un match amical. Donc, ça a eu lieu. Ça m'a permis quand même de revoir encore les joueurs que je veux recruter pour le Mercato. Alors, lors du dernier match de la phase allée de la Vitalo League 1, vous étiez à notre micro et vous avez dit, si vous avez quitté l'Allemagne et que vous êtes aujourd'hui au Bénin, que vous vous entraînez chaque jour, l'objectif c'est la montée, vous allez monter de toutes les façons en Vitalo League 1 avec les requins de l'Atlantique. Mais à la fin de cette phase allée, vous êtes actuellement 7e. Une chose est de dire, mais l'autre est également de faire. Alors, comment comptez-vous faire pour véritablement monter en Vitalo League 1? Je pense que tout ce que nous faisons dans la vie, que ce soit partout, même si ce n'est pas le football, c'est le sérieux et discipline. Quand on n'est pas discipliné, je pense qu'on ne pourra rien faire. Donc, je pense qu'avec l'effectif que j'ai et l'effectif que j'aurai après le Mercato, les 6 joueurs qui vont arriver, je vais essayer toujours de travailler, aller maintenant à l'hébergement de 2 semaines presque. Et maintenant me préparer, sûrement on risque d'aller au nord, rester là-bas tranquille et faire un bon travail maintenant. Avec ce nouveau, on a un attaquant ghanéen qu'on a fait signer aujourd'hui. Aussi, on a des milieux du terrain. On a aussi un milieu du terrain du Real, du Paracou qu'on a fait signer. Donc, je pense qu'avec l'effectif que j'aurai en place, ça me permettra quand même de faire le parcours de la première place ou la deuxième place. Au-delà de cet objectif de montée qui est à court terme, quel est votre objectif à long terme? Qu'est-ce que vous allez faire? Et après avoir fait cette chose-là, vous allez quand même dire que votre carrière d'entraîneur est réussie? Non, je pense que c'est pas la fin. Quand on prend le... Ça a commencé par Russie parce qu'on ne s'arrêtera pas là. Il faut aller dans la Coupe d'Afrique, il faut peut-être prendre un jour l'équipe nationale, se qualifier à la CAN, prendre la CAN. Bon, c'est les objectifs d'un entraîneur. Ça a un long parcours, comme si tu joues aussi au foot. Tu as envie d'aller en équipe nationale, tu as envie d'aller peut-être professionnel, tu as envie de faire la Coupe d'Afrique, les Coupes d'Europe et la Coupe du Monde. Donc, ça, c'est les étapes. La même chose au niveau du coaching. Maintenant, on va parler de la Vitalo League 1. Et avant de demander votre avis sur la Vitalo League 1, on propose à nos amis le résumé d'un match qui était un match en retard. C'était pour la 11e journée de la Vitalo League 1. Et ça a eu lieu le samedi dernier, toujours entre Esaé et Beke. Après ce match, j'ai envie de vous demander tout de suite, quel jugement faites-vous de la Vitalo League 1? Les remarques que j'ai faites toujours dans les autres pays ou en Europe, je pense que la première division elle a une autre qualité plus que la deuxième division, parce que la deuxième division est un peu robuste et on va trop dans les duels. Bon, tactiquement, la première division est un peu différente de la deuxième division. Voilà. La première division est mieux, mais pourtant en deuxième division, on pense que les joueurs ont beaucoup marqué plus contrairement à la Vitalo League. Maintenant, de la Vitalo League, on va maintenant parler des écureuils du Bénin. Ils ont fait un parcours héroïque à la dernière CAN, mais voilà, déjà, on est déjà dans les qualifications pour la prochaine CAN. Quel est, selon vous, le niveau de l'équipe nationale du Bénin? Comment jugez-vous les poulains de Michel Dussuyer? Le niveau n'est pas mal, le niveau est très bon. Après la CAN, je pense que ça a au moins donné le respect à notre équipe nationale. Tout le monde entier a le respect pour cette équipe. Donc je pense à eux maintenant de continuer sur ce chemin, toujours l'entraîneur en train de faire un bon boulot. Voilà. L'entraîneur en train de faire un bon boulot, mais quelles sont selon vous les faiblesses de cette équipe béninoise? Bon, les faiblesses, je ne peux pas le dire. Comme c'est le technicien là, il est le seul à le savoir. Je ne peux pas parler à sa place en tant qu'un technicien aussi. Mais je pense qu'il sait ce qu'il doit faire.
Moi, je ne vois pas tellement de faiblesse au niveau de l'équipe. C'est à lui de recruter, de faire venir tous les professionnels qu'on en a un peu partout, de voir ce qu'il peut mettre en place. Je pense que le technicien, il est bien placé quand même pour pouvoir dire effectivement s'il a des faiblesses. Moi, pour moi, on a une bonne équipe. Comme ça, ils viennent uniquement pour s'entraîner une ou deux fois et faire le match. Donc, Maintenant, j'ai envie de vous demander, dans le quota des entraîneurs au plan mondial, quel est votre entraîneur de référence pour Amadou Moundachiou? Moi, tout ce que je fais au niveau du sport, moi, je prends mes repères. Là où j'ai pu évoluer, c'est en Allemagne. Quand je vois l'entraîneur Jürgen Löw de l'équipe nationale, qui a été mon entraîneur aussi à Kassel, dans mon club, et aussi là, l'entraîneur qui est mon ami, qu'on a joué ensemble, c'est l'entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp. Donc, j'ai quand même des collègues qui sont entraîneurs avec qui j'ai évolué en Allemagne. Actuellement, par exemple, l'entraîneur de Mönchengladbach, l'entraîneur de Schalke. C'est avec des amis que j'ai évolué en Allemagne qui sont des coachs. Donc, je prends moi ces repères. Mais mon entraîneur plus aimé, c'est l'entraîneur de Cottbus, Edouard Gaya, qui m'a fait capitaine de cette formation en Bundesliga. Et après, Louis Boger, l'entraîneur Jürgen Löw, que je respecte beaucoup, qui m'a acheté de Cottbus pour Kassel, l'entraîneur national actuel de l'Allemagne. Maintenant, vous êtes ancien joueur des Dragons de Lomé, vous êtes aujourd'hui entraîneur des Requins de l'Atlantique. Il y a un match le samedi prochain, c'est un match entre de Gala, entre les Requins et les Dragons. Alors dites-nous un mot sur ce match-là, votre cœur sera de quel côté? Ben, je suis l'entraîneur, ça fait partie de mon travail et moi j'aimerais gagner le match. Ça va faire rentrer ça rentre dans l'histoire par rapport aussi à ce que je fais. Donc pour moi, j'ai été un acteur des Dragons. C'est le dragon même qui m'a permis d'aller en aventure. Donc je pense que aussi, là je suis l'entraîneur des Requins de l'Atlantique. J'ai besoin de gagner pour prendre cette coupe, comme c'est pour l'anniversaire de l'ancien président de la Fédération Bénin de football, Moucharaf Badamassi. Donc je pense que pour moi, mon objectif, c'est de gagner ce match. Je considère ce match comme un match de championnat, comme un match... c'est un classique. Vraiment, c'est classico, c'est notre classique et ça revient. Donc tout le monde sera venu voir ça. Maintenant, avec en tête un autre entraîneur qui avait fait Dragon par rapport à mon histoire, donc les gens vont venir voir effectivement qu'est-ce que j'apporte au niveau du Requin. Donc mon souhait, c'est de gagner ce match. Alors nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Votre mot de fin, coach? Ben, je souhaite que beaucoup de gens se prient pour nous, pour les Requins, pour que je puisse quand même arriver à faire monter cette équipe pour montrer aux Béninois que, bon, effectivement, il est arrivé, il a fait quelque chose. Et moi, c'est mon souhait. Je demande à tout le monde de prier pour que les Requins montent en première division. Merci, coach. Likez, abonnez-vous, sportivement votre, et à la prochaine.